N'oubliez pas tout le monde. Alors déjà, désolée, je ne parle pas très très fort. Voilà. Alors j'ai voulu m'intéresser aujourd'hui à un sujet, entreprendre, autour de l'entrepreneuriat. Voilà. Et essayer de vous expliquer en fait c'est quoi la notion de hub. Comment je vois la notion de hub. Pour moi, le hub, en fait, c'est une sorte, on va dire, de concentrateur et c'est une sorte de catalyseur de projet. C'est un lieu où on va pouvoir catalyser tous nos projets, nos rêves dans la vision entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que ce hub va pouvoir permettre de mettre à disposition, je vais dire, les ressources humaines, expertes ou non, et les ressources matérielles dont vous avez besoin pour peut-être débloquer votre projet. Alors, si on revient sur la notion et la définition du mot hub, en fait, c'est quoi? Alors, selon moi, la définition du mot hub, ça s'appuie effectivement, comme je viens de vous le présenter, sur la notion, en fait, de concentrateur. Voilà. Le terme hub, il va s'appliquer et il va se référer à la notion autour de, pour moi, l'informatique. On va retrouver beaucoup d'explications autour du mot hub en ce qui concerne, par exemple, un hub Ethernet, un hub USB, enfin, voilà, des hubs réseau, etc., etc. Alors, dans le cas de figure de ma présentation du jour, ce n'est pas le sujet de la présentation, qui consiste beaucoup plus à essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'un hub, qu'est-ce que la notion de hub, quel est l'intérêt du hub et pour assouvir ou répondre à son besoin d'entreprendre. En quoi le hub est quelque chose, une structure, en fait, favorable pour l'entrepreneuriat. Voilà, ça c'est ce que je vais vous expliciter dans ma présentation. Et avant ça, je vais vous donner une deuxième définition, qui est plutôt la définition au regard des termes anglais. Voilà, on l'a vu précédemment, donc dans le sens littéral du terme, en fait, la notion de hub, en fait, c'est une notion de concentrateur, de commutateur, on va dire. Mais notamment, en fait, ça fait référence à des équipements, plus ou moins des réseaux. Donc si on regarde le terme en anglais, qu'est-ce qu'il dit lui? En fait, le mot hub en anglais, si vous mettez hub dans vos différents logiciels de traduction, en fait, ça désigne avant tout le centre d'une roue, un moyeu, un pivot, voire même la notion de sanctuaire. Donc voilà, on comprend là en fait les différentes notions que je suis en train d'essayer de vous expliciter avec le mot de catalyseur. Un catalyseur, c'est quelque chose qui va impulser. Je fais souvent une comparaison dans les neurosciences intégrées, mais dans notre organisme, on a des catalyseurs biologiques. Ces catalyseurs biologiques, on les appelle des enzymes. Et ben pour moi, le hub, il joue un peu le rôle d'enzyme dans notre corps, c'est-à-dire qu'il met à disposition, il catalyse la réalisation de nombreux rêves. Donc pour moi, selon IEPA, je dis bien parce que c'est très subjectif, je comprends le mot hub en fait comme un lieu où se concentrent les ressources humaines, les ressources matérielles qui seront favorables pour impulser et nourrir en fait la créativité de l'entrepreneur. Donc le hub, c'est un lieu et un concentrateur à mon sens de moyens humains et matériels et c'est un lieu catalyseur de l'action entreprendre. Voilà. Que ce soit en fait aux prémices de la phase de votre projet ou au premier stade de développement de votre projet. Voilà. Donc le hub, j'ai parlé de moyens matériels, donc ce qu'il faut retenir c'est que les hubs, ils vous mettent également à disposition en fait, on va dire des espaces de bureaux, ils vous mettent à disposition des bureaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez à côté ben, des dispositions matérielles comme des accès internet, parfois même on a des hubs qui mettent à disposition des imprimantes 3D, qui mettent à disposition des drones, enfin de l'inspiration, des moyens d'inspiration également pour entreprendre. Donc pour moi en fait le hub c'est un lieu tout simplement qui va rassembler en fait différents porteurs de projets autour de problématiques complètement différentes. Voilà, ça va rassembler également les petites startups, les PME, les TPE et dans ce lieu, à mon sens, vous y trouverez en fait l'opportunité de pouvoir construire également quoi ? Ben, un réseau justement autour de professionnels et non professionnels. Parce que lancer un projet, c'est bien, mais les bases de la fondation d'un projet, c'est avant tout de mettre en place un bon réseau. Voilà, que ce soit des cibles directes ou indirectes, ou alors des gens avec qui potentiellement vous allez travailler. Donc la qualité du réseau est essentielle. Donc le hub, moi je le vois en fait comme un carrefour. Voilà, pour moi c'est un carrefour où voilà, c'est le carrefour qui va vous permettre en fait de déployer et de catalyser l'ensemble de vos rêves et de vos projets d'entreprise. Oh, merci beaucoup, c'est sympa. Désolée pour cette petite perturbation. Voilà, quelqu'un qui m'a gentiment amené une petite bouteille d'eau. Franchement, les gens sont cool et sympas.
C'est peut-être parce que je parle beaucoup, mais j'essaie d'être discrète pourtant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour revenir à la notion de hub, en fait, c'est que si votre projet, en fait, il est bloqué à la phase de l'idée, si vous n'arrivez pas à trouver les solutions pour le déployer, mais si vous êtes convaincu de la faisabilité de votre projet, voire même de sa pérennité, ben voilà, moi je vous invite à vous rendre dans les hubs, tout simplement, et à aller consulter soit les gens qui ont déjà entrepris, soit les gens qui sont en train d'entreprendre, ou soit aller consulter, en fait, les experts qui pourraient vous aider, tout simplement, à trouver et identifier vos leviers possibles qui vous bloquent dans la fonction de faire émerger l'idée au projet, voilà, et débloquer votre situation et vous permettre de rêver. On a beaucoup de choses à disposition, je pense qu'il faut en profiter. Allez, je vous dis à bientôt, y est pas, et comme d'habitude, ben, je vous souhaite le meilleur, sincèrement. Prenez soin de vous, je vous adore, et n'hésitez pas à entreprendre, n'hésitez pas à être curieux, osez aller pas que dans les hubs, il y a beaucoup d'espaces coworking, vous avez beaucoup de, je dirais, technopôles également, des bases de concentration des nouvelles technologies, donc allez un petit peu voir tous ces gens-là, regardez un peu c'est quoi la French Tech aujourd'hui, et voilà, nourrissez-vous de toute l'expérience des autres et réalisez vos propres rêves. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas osé rêver et osé viser le mieux-être et voilà l'expression tout simplement de votre créativité. Je vous adore, prenez soin de vous.